Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine? À affronter l'inconnu? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Je suis contente d'être montée, Lara. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon. Pas de geste brusque, hein? Qu'est-ce que ça souffle? Faut surtout pas qu'on s'arrête! Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Oh! Attention! Est-ce que ça va? Ouais, on va y aller doucement ici. C'était moins une. Lara! Est-ce que tout va bien? Jonah! Je suis là! Bouge pas! Je descends te chercher! Non! C'est trop dangereux! Je peux remonter toute seule! T'en es sûr? Bouge pas, je te dis! Une crise cardiaque. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens. Va bien falloir qu'on passe. Pas mal. Dans ce gap, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais. Et si je voulais cacher une ville tout entière, je choisirais un troupeau né comme celui-là pour le faire. J'espère que les Trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. La tempête se rapproche. On n'a pas plus de 2 heures devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine.
Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais. J'aperçois les ruines.
sont infligées, et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Nous vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os? De la poussière? Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Désolée, je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non! Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous! Espèce de...
c'est nous canarder. Sortez-nous de là. Merde. Oh non. 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 L'échappatoire. C'est là, quelque part.